Vous êtes où? Ah, vous êtes ici, bonjour. Bienvenue, donc nous allons vous présenter une nouvelle série de vidéos pour découvrir les circuits de randonnée labellisés de notre département. Ces circuits de randonnée sont labellisés, c'est-à-dire qu'ils correspondent à des critères de qualité, d'intérêt, d'entretien. Bon, même si la végétation est un petit peu haute en ce moment. Nous allons commencer aujourd'hui à aller vers le village de Dansé. Nous allons faire le circuit du Pédane, un circuit de environ 3 km. Nous allons faire à peu près une balade d'un peu plus d'une heure. Allez, suivez-moi. Je vous emmène dans les gorges de la Loire, celles qui sont situées dans le Roannais, au nord de notre département, juste avant le lac de Villeray. Alors le Pédane, c'est le point de départ de notre balade, situé à 2 km au nord-est du village de Dansé. Au Pédane, on va trouver un parking avec tout un espace aménagé en aire de jeu et de pique-nique. Des panneaux de découverte présentent également ce site qui est étonnant. Nous sommes ici sur un balcon situé juste au-dessus du plus grand méandre de la Loire. Le fleuve a creusé ici une boucle de plus de 2 km sans réussir à percer le verrou formé juste en face de nous par la presqu'île de Mars. Le parcours, il est très court, mais avec un peu de dénivelé. On quitte le Pédane en suivant le balisage jaune, on va remonter la petite route d'accès au Pédane. On quitte la route pour un joli sentier forestier qui nous emmène sur les hauteurs du circuit, sur les bords d'un plateau. On plonge ensuite dans le bois de Sierve. Il s'agit d'un bois de chêne tout en pente qui constitue une zone de refuge pour la faune. Alors, avec un début de printemps qui était bien tranquille pour la faune, vous pourrez peut-être ces jours-ci apercevoir un chevreuil ou un sanglier. La dernière montée, elle est plutôt raide et celle-ci va nous permettre de revenir par un petit sentier jusqu'au site du Pédane. Et vous pouvez retrouver ce circuit labellisé sur deux topo-guides et sur une rando-fiche téléchargeable gratuitement sur notre site internet ffrando-loire.fr.